Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais me refrotter un jeu que j'ai pas fait depuis des années, qui est The Escapist, où vous devez vous échapper de... Vous êtes un tolard, hein, vous devez vous échapper de la prison. Alors c'est dans le modèle de culture américain. Et comment dire, je suis nul à ce jeu, donc je pense que vous allez rire. J'ai réussi aucune évasion. Et pourtant j'ai joué pas mal d'heures. Hein. Rien n'y fait, j'ai toujours merdé, j'ai toujours... enfin bref, je désespère pas de parvenir à faire une évasion au moins une fois. J'ai commencé avec la prison la plus facile, même dite très facile, qui est Centerperk. Voilà, vous voyez le message d'introduction, cher le sage, bienvenue à Centerperk, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. Si les chaînes du câble ne vous suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Le directeur Jim Sterling. Et on peut personnaliser les noms des matons, des prisonniers. Oui, les prisonniers, j'ai francisé les prénoms. Par contre, les vigies, les matons, je me suis amusé à rendre hommage... plus fidèle d'entre vous, donc on a l'officier Bob Morlock, l'officier Funfan, évidemment, une scène, etc. Vous allez le voir, en clin d'œil. Ah, je vais essayer de me réaccaparer ce jeu. J'espère que ça va pas être trop dur pour moi. Mais je pense que vous allez bien vous marrer, parce que il y a des situations comiques parfois qui peuvent se créer. Allez, c'est parti! La vie en prison se compose de moments répétitifs pour les soldats attirer l'attention des gardes et pour préparer un plan d'évasion. Alors, il faut vraiment que je reprenne en main le... Nous allons vous compter, nous allons procéder à la fouille des cellules des vermines suivantes. Michael et Fernand. Quelqu'un a inondé les toilettes. Si votre nom est terrible pour une fouille à la pelle, assurez-vous que votre bureau est vide de contrebande. Et si la vie est facile, machin et tout. Bonjour Twinsen, j'espère que tu vas bien. Des informations intéressantes pour vous tous. Passons à un sujet plus urgent. Les détenus ont toujours raison. N'importe quoi. Oh, c'est l'heure du petit-déj. Merde. Il y a un lèche-botte, il y a déjà un prisonnier qui suit la route des matons, et oh. C'est un vendu! Effectuer des travaux manuels augmente votre fatigue. Comment je fais? Ah d'accord. Putain, il faut vraiment que je me remette le... Oh, l'interface. Ok. Et sérieux là, je suis en train de manger ou non, j'ai pas l'impression. Demande de faveur, James, j'ai besoin que l'objet peigne, tu peux m'en avoir un. Peut-être. Et je n'arrive plus à me libérer. Période libre. Alors, il faut que je repère déjà ce que j'ai. J'espère prépare quelque chose de gros. Faut déjà que je prenne mes repères tout simplement. Attends, ma cellule c'était laquelle? C'est celle-là, hein, je crois. Non? Wow. Il faut que je clique sur le... Mais non. Oh la vache, je suis mauvais. Oh là, ça va être la catastrophe. Peigne. Ah bah tiens, j'en ai un de peigne. Mais le problème, c'est que je peux combiner des objets pour essayer de m'évader. Oh, je sais plus du tout comment ça marche. Par contre, je peux voler les cellules des copains. Enfin... Merde, il y a un maton. Putain, mais j'y arrive pas, grave quoi. Oula. Attends, je peux ouvrir la... Bah. Faut vraiment être en face. Ah, le fait de monter, vous voyez, au niveau de la... du système de... Comment ça s'appelle? De... d'aération. Putain, il a un peigne lui. Je lui ship. Il a de la colle. Oh. Alors si c'est indiqué en vert, l'objet, il est toléré. Il est accepté. S'il est en rouge, c'est de la contrebande et il faut surtout pas que je sois victime d'une fouille. Putain, mais c'est impossible de viser le... Il faut être strictement au pixel près dans la case.
Je vais jamais m'en sortir. Oula. Non mais c'est l'horreur. Non non mais je vais jamais y arriver comme ça. Attends, c'est le DG. Hop, 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 hop. Rien à péter, c'est ma place. Virer le chef. Ça y est, ça bastonne. Oh. Quoi, oh, l'avril? Ah merde, j'ai un job. Je pensais avoir la paix, moi. Faut aller taffer. C'est derrière les douches à l'avril. Ah non, c'est au-dessus. Alors, là où il y a des cadenas colorés, je peux pas y aller. Mais oui, au boulot, et oh, oh. Le cadenas est vert, je peux y aller. Alors, attends. Mettez les tenues chariot d'un chat dans la machine à laver. Ah oui, mais merde, j'ai des objets sur moi, donc il faut que je me débarrasse. Ah. Dur. Là aussi, on voit qu'il y a du... Putain, c'est dur. Comment je fais? Ok. Attends. Waouh, 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 waouh. Linge propre. Il faut que je me réapproprie le... l'interface, c'est pas évident. Ok. Il m'a fait peur le con. J'en ai cliqué à côté. Oh, attends. Ah, j'ai que le 1 moi de The Escapist. Je pense que 4 tenues suffiront au niveau du quota de travail. C'est poussif, hein, j'ai du mal. Wow. Période de sport. Bon bah c'est mort. Moi j'ai pas fini mon quota de travail. Ça craint du boudin. Mes objets. Ah, rendez-moi mes objets. Comment je les ramasse? M'en fous, je veux pas faire du sport. Je veux aller dans ma cellule. Non mais ils sont... Oh là là, ils sont chiés. La rigidité du truc pour... pour pouvoir interagir. Alors, Yannix. Une carte postale. Ouh, un peigne affûté. Les savons peuvent être pratiques. Carte postale, je m'en fous. Merde, c'est l'heure de la douche. Vite, faut que je me brouille. Oh, kit de soins. Une pile. Oh, trop bien. Putain, il a des trucs, lui. L'heure de la douche. Qui va ramasser des savonnettes. Ouais, c'est bien, oui, t'as fait la razzia sur Epic Games. J'ai que le 1, hein, et en fait le 2 il est, comment on appelle ça, il est multijoueur le 2, mais je l'ai pas, donc je pourrais pas faire de coopération. Du moins pour le moment, on verra plus tard dans le futur. Faut déjà que j'essaie de maîtriser le premier. Ah, c'est l'heure du dîner. C'est moi ou j'ai oublié mes vêtements? Ah, j'ai peur. Mon plat de repas. Ah, poussez-vous. M'en fous, je suis plus proche de la sortie.
Mais je suis même pas sûr de me régénérer là avec le dîner parce que je suis pas sûr de bien bien jouer. Ah, oh, bricolage, ouais, mais bricoler quoi? Période libre du soir. Ah. Oh, il est vénère le Fernand. Attends, j'ai le droit d'aller là? C'est quoi ça? Non. Un jour, j'y arriverai. Oh, rien à poutre. Samuel. Oh, un dodo donuts de l'eau de Javel. Je sais pas si... J'y pense, ça me servira peut-être. Bureau de Michaels. Oh, lame de rasoir. Ah, de l'encre. De l'encre. Attends, je vais remplacer le Javel par de l'encre. Ça, c'est sympa. Voilà, là, ça me fait du matos. Alors, tout est en vert. C'est toléré. Ah, il y a moyen d'être plus intelligent avec les ordi et aller sur internet. Je sais plus l'intérêt de l'intelligence. Il y en a un, mais il y a ça, puis il y a le sport, le fait de jouer des inter là. Pour patater, si je suis j'entre en rix avec quelqu'un, je finis par le déboîter. Je cumule de la fatigue en consultant l'internet. Là, j'ai mon pourcentage, mon taux jaune, c'est le fait de finir en PLS. Bon, allez, zoom, j'arrête. La scène de gym. Viens appuyer sur 1-1 alternativement pour... Ah oui, comme ça, d'accord. Bon, petit peu de gym. Ah. Je suis en train de bourriner deux touches en fait. Je serai plus rapide dans mes déplacements. Je suis trop fatigué là, stop. Je sais plus, il y a un appel le soir ou je peux aller me coucher? Oh, il s'est fait patater lui. Appel de fin de journée. Oh, il va être puni, Fernand. C'est qui lui? Oh, infirmerie. Oh, il y a l'appel du soir. Je suis là. Papa, papa, papa. C'est dialogue. Bon, alors on allait se coucher là, ils viennent casse-noisette les matons là, avec leur roman. Oh, j'ai chaud. Alors, donc je récapitule ce que j'ai. Ouais. Bon, allez, au dodo. Merde, j'ai retiré mon drap et mon... Ah oui! Je me souviens, les draps. Pour les mettre... non, attends. Mais je veux recomposer mon lit, moi. Les draps, je peux me planquer dans ma cellule. Tout drapé pour qu'on voit pas ce que j'y fabrique. C'est vrai, ça. Merde, tant pis pour les... Les objets, allez, oui, allez, dodo. Oh, je suis une catastrophe, la reprise en main. Oula. Bon, là, j'ai pas de soucis à me faire, j'ai pas d'objet de contrebande, alors je peux me faire fouiller, j'en ai rien à péter. Enfin, ni chaud ni froid.
J'aime bien. Quelqu'un s'est soulagé dans les temps. Très distingué. Il a la de se lever. Matin, il faut aller prendre le petit déjeuner. Ah, oula. Ah! Alors, mon interface, profil, journal. Ah, voilà, intelligence qui a augmenté, vitesse, force. Je pose à l'abri, journal, j'ai pas de faveur. Ah, note de fabrication. Oh, je me souviens pas que j'en avais autant. En fait, vous voyez, ça c'est le résidu de mes précédentes parties. Il y a des années de ça. Wow. Oh la vache. Ah ouais, le mannequin pour lit. Oh là là. Mastic, du talc et du dentifrice. Wow. Il y en a des choses à faire. Aïe 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 aïe. Oh, alors la tête de grappin, elle doit être bien rare, mais punaise. On peut faire ces trucs. Oh, la subtilité des documents signés. De manière administrative, s'accorder le... l'amnistie. Oh merde. Je me souviens même pas qu'on pouvait faire ça. Cutter fragile, de lime et ruban adhésif. Oh là là, les cordes de... Un fouet ! Du bois, un câble et une lame de rasoir. Oh là là. Oups, pardon, j'ai mon téléphone qui... Ah, pardon. Ah bah, c'est pas un message important. Tac 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 tac. Nunchaku. Câble bois. Papier mâché. Oh là là. Ah, une pince solide. Ah, faut, ah oui, il faut optimiser la pince légère avec une lime et ruban adhésif. D'accord. Tournevis électrique. Oh là là. Fausse clôture. Oh, c'est vicieux. Alors, le peigne tranchant, je peux déjà me le faire puisque j'ai le peigne et la lame de rasoir. La pioche légère. Tac, 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 tac. Ouais, parfois on peut solidifier des objets. Ok. Oui, donc mon profil c'est ça, journal, bricolage, ouais c'était ça, ouais ok. Ok ok. Oh mazette. Oula. Calmos les gars. Période libre, j'ai bien envie de me muscler. Merdoum, c'était en haut. Oh, j'ai pas mémorisé les plans de la prison. Nul le mec. Allez, je vais faire du... Ah, de la muscu. J'ai dû me défaire de 10 gars avec juste une cuillère, quoi. Je vais défoncer pour le restant de la journée parce que j'ai ma jauge de fatigue qui augmente à vitesse grand V. Mais je me muse pas. Là, je vais faire 20 répétitions puis j'arrête. Voilà. Mais non, mince, je me prends la touche.
J'aime bien l'officier fun fan adore rigoler. Ça fait crédible. Ah! Ah mince, c'est déjà le déjeuner, j'ai pas eu le temps d'aller dans ma cellule, me reposer un peu. Non mais mon préjudice en fait c'est j'ai pas de précision là. Ah si ça va, je récupère, en déjeunant je récupère un max. C'est cool, parce qu'après il y a la période du taf avec la vrille. Ah si, je récupère vachement d'ailleurs. Oh cool. C'est bon à savoir. Le faire, je le sais. Voilà, je me mets entre les deux machines, c'est l'idéal. Ouais, c'est comme ça qu'il faut procéder en fait. Et là, j'ai un rendement beaucoup plus élevé. Pardon. Mais tu me disais que tu les as dans ta collection Tunsen, mais tu y as joué ou pas aux The Escapists? C'est pas tout de les posséder, mais est-ce que tu t'es fait plaisir en faisant quelques parties? J'ai fait mon quota de travail. Yeah. Je suis libre. Merde, il y a un maton. Maton. Hop, merde. Ah, je pensais rentrer dans la cellule, mais j'ai merdé. Non, mais c'est dégueulasse, c'est au pixel près. Oh là là. Attends, je peux gauler son drap, lui. Ça m'intéresse. Oh oh. Période de sport, no. Voilà. Moi je veux de l'ombre, moi. Y'a rien à voir chez moi. Hop 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 hop. Je vais devenir fort, musclé. Ah, c'est Michael qui s'est fait défoncer. Mais après, il faudra que j'essaye d'honorer les quêtes des autres. Retrouve-moi l'objet machin, retrouve-moi toute mûche. Ouais, c'est bien. La douche aide à récupérer de la fatigue. Très bien. C'est vachement rythmé, hein. Si, y en a qui ramassent des savonnettes. Ah là là. C'est qui a le savon? Ah, on voit déjà que je me déplace plus vite que tout le monde. Bien, la gym fait effet. Hop là. Bon, tranquille, j'ai pas besoin de récupérer d'énergie. Réfléchissons. Il faudra que je fasse un tour de la prison. Que je repère tous les lieux, parce que j'ai fait qu'un secteur là. Aux alentours de ma cellule, mais la prison est plus grande que ça. Il faudrait que je repère les failles potentielles.
Alors, oh, il y a des tâches. Alors là, il y a des chiottes, machin, sanitaire. Là, il y a l'internet. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cour d'appel. Enfin, la cour d'appel. Pas de justice, mais là où. C'est quoi ça? J'ai le droit d'y aller? Ah non. Coucou. Droit de visite. Casier, se cacher. Ouais, non. Ouais. Il y a une réserve là. C'est quoi ça? Ah oui, tableau des tâches. Qui fait quoi? D'accord. Ok. Ah, le cuisinier, c'est Roger. Ouais, ça, c'est l'infirmerie. Lit d'infirmerie. Je peux prendre les draps, non? Qui y a, monsieur Frobose? Oh, il y a quoi chez Bruce? Oh, il y a du fil dentaire. Oh, il a une batte de baseball! Il a un cookie! Il a un couteau, il a un fil dentaire, il a un cookie. Hop, réquisitionné. Merde. Il a quoi, lui, Fernand? Il a une montre! Oh, oh, il a des clous! Mais je vais pas avoir assez de capacité de stockage, moi. Bureau de Victor, il a quoi, Victor? Il a un nounours. Magazine. Oh, une spatule! Wow. Magazine, sympa. Alors, magazine que je peux mettre au mur, je crois, pour. Si je creuse mon mur, je peux normalement le. Putain, mais je vais y arriver. Oh. Ah, c'est pénible, le coup du pixel près, ça me frustre. Ah, je vais pouvoir faire des choses avec tout ça, moi. Hop, 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 alors, attendez. On avait dit que la pile et le fil dentaire... Non, pas le... c'est pas le fil dentaire, c'est un fil tout court qui fait... Non, c'est un fil tout court qui fait bougie. Merde. Faudrait que je trouve du ruban adhésif. Mission ruban adhésif. C'est ça qui me manque dans mon inventaire. La cellule là que j'ai pas faite, j'attends que monsieur Maton passe, monsieur Frobos une fois de plus. Alors, Julien, il a du ruban adhésif, il a un kit de pédicure, ben, ça va, tranquille. Il y a encore des clous, faut que je vais les prendre parce que c'est pas si courant que ça. Putain, j'arrive... Vous croyez... Attends, ça va être la période d'appel. Ouais, non, mais là, j'arrive même pas à rentrer dans ma cellule. Mais pareil, combien que je vais me faire avoir avec la le fait de rentrer dans la cellule et puis ça va se verrouiller et je vais me faire punir. C'est pas moi. Merci, au revoir. Je tente de rentrer dans ma cellule d'abord. Hein. Parce que j'ai pas envie d'être prisonnier. Voilà. Ah, ils m'ont mis des draps, dis donc. Ah, attends, là. Peut-être que je vais faire là. Extinction des feux. Allez, zo. Oh, l'hôte, il m'a sucré mes draps. Tiens, signe de protestation. Bruce et Fernand. Ah, ah. Il a une quête, lui. Sans emploi. Putain, il a une arme. Oh, il a un marteau. Ah, je peux lui acheter du ruban adhésif. Mais c'est interdit. Nous avons garni personnellement chaque oreiller. Oh mon dieu. Mais attends, je m'entends en double. J'ai... Ouais, j'ai mon son.
pardon, je viens de corriger l'erreur. Bah alors, qu'est-ce qui se bastonne? Ah pas, non. Il a quoi sur lui? Oh, il a un peigne tranchant. Merci mon garçon. Il est l'heure de se lever. Je me bouge. Alors... Oh la vache, j'ai un objet interdit, il est en rouge. Un peigne tranchant. C'est une arme. La période libre du matin. Tiens, hop. Merde, j'espère qu'il va pas me voir. T'as encore un... Oh, une lime l'autre. Tranquille. Non, je pense que les objets changent sans cesse. Donc du coup... Ah, il m'a vu. Magazine. Non. Je peux pas m'amuser à faire nimp. Non, je peux pas. Bon, bah, tapis. Oh, c'est pour vous. J'ai fait n'importe quoi. Il y en a poutre. Je vais me muscler. Ah là 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 là. Bah, l'autre il s'est fait patater. Quelqu'un s'est soulagé dans mon évier. Oh, oh là là, trash. Ah, j'arrive plus à faire la combinaison. J'irai pas jusqu'à 20, vu l'heure dans le jeu. Ça va être dur. C'est l'heure du petit déjeuner. Enfin, du déjeuner, pardon. Bon, c'est bien, je récupère de l'énergie. Alors, il va y avoir le boulot à la laverie. Mais. Il faut vraiment que je termine mon tour de la prison pour réparer les lieux, pour essayer de concocter un premier plan d'évasion. Alors, le machin, ton inventaire est plein. Oui, je sais. Attends, je vais y arriver. Je peux le faire. C'est vrai que c'est un avantage stratégique que d'avoir le job de lessiveur là. Parce que j'ai les tenues officielles des matons. Donc je pourrais me faire passer pour un maton. Ah. Oh, puis mince. Allez, je me barre. J'ai fait mon quota de travail. Enfin, je crois. Mais dans le doute, l'autre.
merde. Je peux y en... Je peux pas. D'ailleurs, ah, force, je suis pas si costaud que ça, hein. Ça se cultive, hein, les muscles, hein, le building, là. Ouais, alors. Ouais, je suis presque à moitié de la force. Ça va être la période libre du soir, après le dîner, je crois. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est le dîner. On va les manier. Allez, trois plombes, hein, pour réagir le maton. Alors, période libre du soir. À l'extrémité de la prison, il y a quoi? Je ne sais toujours pas. Allez, c'est le classique. En extérieur. J'ai le droit de me promener en extérieur, non? Oh, j'ai le droit d'aller là? C'est quoi ça? Oh. Oh. J'ai envie de dire, la liberté est si proche. Ah oui, il y a un maton. Ouais. Je pourrais pas faire non. Donc je peux pas aller là. Ouais, tu parles, il y a des vigiles dans chaque angle. Tac, 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 le coup de l'infirmerie. Caméra. Vache. Comment que c'est verrouillé? C'est bon à savoir, niveau repérage. Oh! Il y en a un qui s'est fait patater dans les sanitaires. Elle est bonne celle-là. Attends, je peux le fouiller ou... Enfin, si je peux... Non. Oh là là, le fait de pas pouvoir passer dans les portes, ça m'énerve. Oh, tellement facile et proche le l'évasion. Ouais, je dois être à l'intérieur à partir de 22h. Oui, 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 oui. Attends, j'ai le temps de faire un petit repérage. Et là, 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 l'évasion, elle me tend les bras là. Appel de fin de journée. L'évasion se fait plein sud. Après ce que je viens de voir. Bon, qui c'est qui a droit à une fouille? Pas moi. C'est pas moi. Merci, au revoir. Bonne nuit. Je me barre. Enfin, si je peux réussir à rentrer dans ma cellule. Non mais je vais le faire avec le clavier parce que j'y arrive pas. C'est terrible quand même.
Il n'y a pas quelque chose à faire avec déposer des objets dans les toilettes? Ah, je me souvenais plus que je pouvais faire ça. Télé. Télé câblé. Je luxe. Je peux plus éteindre la télé. Bizarre. Voilà, attends, je vais peut-être pas tout de suite. Non, pas de collage. Ouais. Les objets que je peux faire. Je serais tenté de faire un truc qui cisaille le, la grille en bas tout au sud et me barrer. Il faudrait presque que je me prenne un uniforme de maton pour me faire passer pour un maton en cas de... je dépasse l'horaire, quoi. Et une cisaille pour couper grillage au sud et je me barre. Je pense très honnêtement, je l'avais jamais vu jusqu'alors dans le jeu, mais je pense que c'est ma probabilité la plus élevée de me barrer. Donc il faut que je fasse tout pour me faire une cisaille. Il y a même des clés. Oh la vache, ouais. Comment on fait la pince légère déjà? Oui, il y a un cutter fragile, deux limes et rubans adhésifs. Oh là 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 là. Il faut que je convoite des limes et du ruban adhésif. Merde, Oum. Et j'ai quoi? J'ai évidemment pas de lime parce que c'est interdit. Par contre, j'ai... ah non, j'ai pas le ruban adhésif non plus. Merde. Il faudrait que je fasse de la contrebande avec les autres prisonniers pour me faire de la thune. Encore que j'ai de la thune en dollars avec mon pécule, là, mon salaire. Mais il faut que je vende mon matos à... je vais essayer d'être plus social le lendemain, là. Victor me dit, officier, tu ne sais pas, jugé bon de me prendre mon objet chocolat, j'aimerais que tu me le ramènes. Ah, mais ça peut être n'importe quel chocolat, je pense. $39. Non, pas de quête, rien. Oh, il a une chaussette blessée comme arme. Ça, ça va, tranquille. Oh, puis lui, il a un peigne tranchant. Tout va bien. Col, col, lime. J'ai pas de chocolat, je crois. Je pourrais pas. Mince, je me suis trompé de chemin. Ah. Non, il pose pas lui, non, il dit rien. Ouais, éventuellement que je trouve du chocolat sur quelqu'un. Oula, il y a un bug avec les matons au niveau du siège.
Petit bug. Ah. Bug intéressant. Parce que du coup, on est moins surveillé là. Ah mince. Mais pourquoi il me suit lui? Barre-toi. Va-t'en. Bon, qui a du chocolat? Fernand. Oh, il a de la nourriture cuite. Tranquille. Oh, réquisition. C'est pas fait. Je suis obligé de le faire au clavier tellement que j'ai du mal à gérer la direction. Personne n'a de chocolat. Il est où son chocolat à la noix là? Non, il n'y a pas de choco. Oh, il y a une lime. Ça vaut de l'or en barre. Bonjour monsieur le maton. Oh, une note de fabrication. Oh, une spatule. Je peux creuser des trucs avec. C'est quoi la note de fabrication? Merde, non, mais non. Comment je fais pour l'utiliser de la note de fabrication? Alors, lime, le poulet, on s'en fout. Comment j'en fais usage, moi, la note de fabrication? Attends. Je dois pouvoir faire quelque chose, non? Oula. Oula là. Ah! Poulie de tyrolienne. Modera, câble, exigeant 61. Bah, c'est bien ça, j'ai appris un truc. C'est absolument génial. D'ailleurs, je voulais souper. Ça va être le déjeuner, je crois, non? Je sais plus. Oui, c'est ça. Alors, pas de chocolat pour le moment. Ouais, je vais me mettre là, au moins, on va me foutre la paix. Le chocoletto. Vache, il arrive à la bourre, lui, James. Alors, la laverie. Je vais y arriver. Aïe aïe aïe. Aïe, yeah, ça se bastonne. Aïe, 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 aïe. Oh, il est en PLS dans le couloir. Un petit peu de vitesse. M'en fous, j'ai fini mon job. Alors, voilà que je bourrine joyeusement. J'ai la requête du chocolat, moi. Avec je fouille mes cellules alentours pour tenter ma chance avec un peu de chocolat. Mais je pense que dans les minutes qui vont suivre, j'ai rallumé la PlayStation 2 et je vais continuer dans le tourisme. Ah bah, période de sport. Ah ah ah, c'est drôle, j'y suis déjà. Je vais donc être en PLS très rapidement.
J'anticipais le cours de PS. Ah, éducation physique et sportive. Je bourrine comme un fou furieux. Ça devient de plus en plus difficile pour faire un score à haut niveau. Et là, je suis en PLS. Ah, voilà. Magnifique ce que j'ai fait. La douche. Là j'en ai besoin. Et du coup dans mes stats. Oh pas tant que ça. Ça se. Évidemment ça se. Si j'entretiens pas, je perds. C'est bien pensé. Je suis dans la cour. Ah merde, c'est le dîner. La quête du chocolat. Il a quoi, Victor? Déjà, il a peine son chance. C'est un vilain. Vilain Victor. Il a un objet interdit. Oh oh oh! Tapez ça une part, l'autre, comment qu'il le défonce? Il s'est fait déboîter. Quoi? C'est le directeur qui dit ça? Ah oui, c'est le directeur. Qui passait à côté d'une grosse tache dans l'allée. Alors, période libre du soir, ça veut dire fouille de cellules de mes camarades. Trouver du chocolat. Si j'arrive à rentrer. Oula. Oh non, il va me voir. Non, il m'a pas vu. Oh, une ventouse. C'est original. Une éponge, non. Papier, tout machin. Rouleau de papier. Qui a quoi par ici? Ah, il n'y a pas de chocolat. Hein. Oh, crème de rasage. Tant pis. Hop là. Oh, tonneau de pénarium. Je sais pas ce que c'est. Je vais le prendre par curiosité. Oh merde. Vous n'avez rien vu. Oh non, il y a deux matons. Oh non. Trop bien. J'ai rien à faire là, je sais. Ah, coucou. Oh merde, je vais pas réussir à rentrer dans ma cellule. Une fois de plus. Je vais me débarrasser d'un truc. Du cookie, je pense pas qu'on me demande le cookie. Quoique pain, ça peut être pratique. J'ose pas me débarrasser d'un truc dont j'aurais potentiellement besoin. Tant pis pour le biscuit. Je le mets là. Je fais une... Ah ma merde, j'étais rentré dans le... J'en peux voir s'il avait du chocolat l'autre. Je suis en quête de chocoletto. Qui c'est qui a du chocolat? Pas lui. J'ai vu une spatule je crois, non? Je t'interdis. Eh, je suis bête mais je suis en train de me dire, il faut que je fouille les chiottes. Il y a des trucs dans les chiottes potentiellement, non? Mais non, tant pis, c'est la fin. Ah si, c'est encore la période du... Hop, ils m'ont pas vu. Attends, non, il n'y a rien dans les chiottes. Ah, c'est moi qui ai la possibilité de planquer les trucs dans les chiottes des autres. Ça peut être un stratagème. Assez culotté, mais ça peut être un stratagème. Oh. Hop là. Il y a quoi chez Bruce? Il n'y a pas ce que j'en cherche. Il y a du cookie. Je vais lui voler son cookie. Vol de cookie. Oh, en bon milieu de la cour. Ah, c'est dégueulasse. Ah.
Oula. Appel de fin de journée. Ouais. En ligne. Non, bah j'ai pas trouvé de chocolat. Mais ici la vie est facile, oui, apparemment. Allez, merci, au revoir, moi je vais me pioter. Oh, je me déplace carrément mon bureau, le mec il est fou. Ouais, je sais pas si je vais réussir à faire des miracles avec ça. J'ai ma lime. Ouais, je vais m'arrêter à ça. Dissidence. Allez, je vais arrêter là. Je vais jouer à Gran Turismo. Comment je fais? Ouais, non, c'est bon, c'est sauvegardé. Ouais, c'est bon, j'arrête. Eh ben, c'était sympa. Ça faisait des années que j'y avais pas joué. Je devrais activer la PlayStation. Je vais vous mettre en attendant les compiles de clips. Je reviens vers vous. Le temps de faire les manips. Voilà. Il y a du Lucas. La boisson de George Lucas. Il y a du Ken. Il y a peut-être du Barbie aussi. Il y a du Grim. Ah, cette imagination. Ah, pas mal. La canette avec les trois pommes vertes. Au moins, on sait ce qu'on boit. Du moins, théoriquement. Oh la vache. Et ça, c'est quoi? C'est des sacs de pommes de terre ou de farine? Attends, les moufles, on s'en fout maintenant, le Nutel. Oh merde, elle en petite culotte. Merde. Pourquoi elle a plus de pantalon? Mais je croyais qu'elle avait enfilé un pantalon, cette nunuche. Qu'est-ce qu'elle fout en petite culotte? Merde. Elle va avoir froid. Enfin, je croyais qu'il y avait quelqu'un dans la maison. J'ai rêvé? J'ai pas compris. Pourquoi je l'ai défroqué? Mais... La guerre est passée. Ah, ça m'intrigue. Je crois qu'on peut y aller. Hein. Je vais y aller. Non! Non! Le niveau secret! Oh, je perds le niveau secret! C'était... Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, normalement, quand on finit le niveau à Duke Nukem avec le symbole nucléaire, c'est le normal rouge. Et là, on a fait le gris. Donc, le gris... Ah, j'ai avalé un truc au fond de mon café. Je me demande si j'ai pas avalé un moucheron. Dark. Ah. Et moi, je vais boire de la flotte. Là, faut que je me rince le gosier. J'ai un truc au fond de la gorge. Dark. Ah. Le truc insensé. Ah, on prend feu. Oh, c'est japonais. Oh mon dieu. Le truc surréaliste. Oh mon dieu. Oui, voilà. Merci. Ah bah, j'ai vu, je suis... Restons concentrés. J'ai quand même un crédit de 4 vies. Croton. Vache, il est déjà 15h. Tableau mystère. Tu me diras que j'ai démarré à la nuit, c'est vrai. Le temps de bidouiller ma coulisse et de digérer Pépère. Et voilà, j'ai voulu la tenter, j'aurais pas dû. Je regrette. Oh là 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 là. Alors, me revoili voilou. Attendez, je vais remettre ça en attendant.
Mince. Aïe, 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 aïe. Attendez voir. Ou alors, faut peut-être que je l'active. Ah oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que je l'active. C'est bizarre, j'ai l'impression que l'image est décalée sur la gauche. C'est moi ou... Ah oui, non, chargement, oui, voilà, il a... On voit que le texte est décalé, oui, voilà. Je préfère. On peut se mettre de la zig, du coup. Voilà. Normalement... Ouais, tout apparaît en bien, en clair. Ah, mais il me lance une démo. J'aime bien la bête noire. Oh. Est-ce que j'essaie d'en faire quelque chose dans une autre course? C'est pas une atmosphérique, je crois pas. On est d'accord. On est d'accord. Il y a ça aussi. Ouais, il y a le GT japonais que j'ai merdé. Bon, là, c'est pour les Audi. Alors, l'Altezza, c'est trop bizarre quand même. Parce que je l'ai l'Altezza le pire. Ça, j'ai envie d'essayer de me lancer dedans. Pardon. J'ai une Altezza qui est gonflée à bloc. Mais il existe la version course, je crois, de l'Altezza. Que je n'ai pas. Pourtant, j'ai remporté le championnat dans la division inférieure, on va dire. En amateur, là. Là, maintenant, je suis en professionnel, je crois. Voilà, on est tous à égalité, en fait. Ça qui est dingue. On va voir. Je vais me lancer dans la bataille. Mon pifomètre, en fait. Et je pense, sans déconner, que la récompense de championnat là, c'est la version course de ce modèle. La Toyota Altezza. Qui est un modèle très peu connu d'ailleurs. Enfin, du moins en Europe. Je veux dire, alors, elle est peut-être même pas distribuée en Europe d'ailleurs. Elle est peut-être exclusivement réservée au Japon ou au continent asiatique. C'est sympa de reprendre en main un championnat où la cylindrée est pas élevée. Et que c'est équilibré, c'est disputé. C'est du touring car, hein, comme j'avais expliqué précédemment. C'est-à-dire que c'est tout. C'est le même modèle qui est aligné sur la ligne de départ. C'est donc du touring car, précisément.
Oula, 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 qu'est-ce que je fais? Alors c'est un terrible affront pour moi parce que je pense que j'ai un modèle optimisé supérieur à la concurrence là. Je sais pas si c'est les modèles de série véritablement ou s'ils sont un peu gonflés au niveau de la science artificielle, c'est-à-dire les 5 autres concurrents. Mais le fait que je sois dernier, c'est pas à mon honneur. Ça veut dire que je pilote mal. Parce que théoriquement sur le papier, je crois savoir que je suis censé être avantagé là. C'est pas cool. Je peux même pas m'appuyer sur l'usure des pneus puisqu'elle n'est pas prise en considération dans le championnat là. À mon grand regret. Ah, je fais de la mouise.
Ouais, c'est dommage, c'est ma faute, j'ai vraiment mal piloté là. Aïe. On voit que j'améliore mon temps au tour, tour après tour. C'est-à-dire que j'ai plus le... Je maîtrise plus. Honteusement, je l'avoue, je maîtrise plus. C'est bien, on est chacun d'une couleur différente. Je suis Kazakh verte. Aïe, aïe, aïe. Eh ben dis donc. C'est pas folichon. On va voir ce que donne la deuxième course et si je suis vraiment nul, je me désengage. Ah, terrible ce tracé. Je vais pas être à mon avantage du tout. Ah là 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 là, ce tracé. Ah bon. J'ai eu le malheur de prendre le virage en épingle trop en extérieur et ils ont profité pour tous me doubler et me bourriner en intérieur. C'était quand même. Putain, du coup je me loupe. C'est de la faute. Certain que mon réglage de boîte de vitesse soit optimisé. Vous savez dans le bon endroit. Ah si, si, si. Oh là là, moi je tape. Honteusement. Se battre au soleil, se baigner dans l'eau claire d'une rivière, manger les fruits de la terre dans l'oubli total de l'effort et du travail. Eh bien, pourquoi pas? Dis-moi pourquoi le peuple se nourrit que de pain et de jeu. La guerre.
Non, je me désengage, pardon, je suis vraiment mauvais. Je reconnais, c'est ma faute, je suis pas bon. C'est battre au soleil, se baigner dans l'eau claire d'une rivière. Dommage. Manger les fruits de la terre dans l'oubli total de les autres. Eh bien, pourquoi pas? Oui, c'est forcément la lanceur évolution. J'ai essayé ça. Ça va peut-être même réussir. Ah, j'ai la radicaire prototype. C'est peut-être qu'il va me... Attendez. Celle-là, elle fait presque 600 chevaux. Ah, elle en fait moins, elle. Ah, c'est peut-être celle-là qui va plus me réussir. 600 chevaux, celle-là, elle fait 300. Bon, moi, je vais essayer celle-là. C'est celle qui est le plus bouffée en puissance moteur. Avec un peu de chance. Je vais peut-être avoir une bonne surprise. Une performance. Donc, voilà. On retourne dans l'urbain asiatique, hein, japonais. Je vais avoir l'avantage vu ce qui est annoncé sur la grille. Espérons. Comment que je vais fermer la trajectoire, fermer la porte comme on dit d'ailleurs dans le jargon automobile. Eh ouais, j'étais déjà en manque de vroom vroom. Le pire c'est que vroom vroom, je risque de vous faire téléphone pour cet après-midi. En fin d'après-midi. C'est mon envie du moment. Ça me fait du bien. Ça me procure du plaisir. Les vont me partir. Alors je sais que ça fédère pas spécialement le sport automobile. Hein. On avait déjà parlé sur mon antenne, mais comme on est un lundi matin, il y a très peu de personnes. La probabilité que j'ai du monde est très faible. Donc j'en profite. Voilà. Ceux qui sont intéressés de revoir Olif comme j'archive, il n'y a pas de souci. Ils sont retrouvés. Oui, donc je disais, Tunsen, comme t'es revenu, je t'avais posé une question tout à l'heure, mais t'étais reparti, tu m'as pas entendu. The Escapist 1, c'est pas le tout de l'avoir, mais est-ce que tu y as déjà joué? Je suis curieux de savoir si tu t'es déjà frotté à une partie de The Escapist. D'accord. Ah bon. Oh, je me souviens pas qu'il était aussi exigeant, The Escapist. Oh merde, même
pressé pour parler. Oh là là. Tu vas avoir l'embarras du choix quand tu vas changer de PC. T'avais expliqué ta stratégie d'avoir la collectionnite des jeux offerts, ce qui est très pertinent. Ça là-dessus, c'est très bien joué de ta part. Et non, c'est bien, c'est bien. Tu vas vraiment avoir l'embarras du choix. Très bien joué de ta part. Oui, oui, oui. Un niveau contenu, j'en doute pas. Alors, tu seras pas exposé au problème de qu'est-ce que je vous diffuse en fait. Ton souci par rapport à t'as une vie conventionnelle entre boulot et famille, et, ça va être le fait de pouvoir te dégager du temps pour pouvoir partager ce plaisir. Là, c'est moins évident. Mais bon, faut que le plaisir soit là, quoi. C'est la condition numéro une, première, pour diffuser. J'aime bien cette chanson. Enfin, cette musique surtout. J'aime énormément prendre le tour, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Excellent. La musique est excellente. J'ai de danser.
Ah, mais qu'est-ce que je fiche? Doucement. Comme au chrono autour. Magnifique. Très très bien. Je me souvenais pas qu'il y avait un cadeau pour le fait d'avoir réussi à 50%. Alors l'effet de surprise est total. Surtout que la voiture, je l'ai déjà en fait. Enfin, je crois. Là, la Corvette Le Mans, là. Avant que ce soit une version très spéciale, 50% de... Attendez. J'ai regardé dans le garage, mais je suis vraiment surpris là. Ah oui, c'est la Corvette version 5 de course. Je l'ai déjà en mieux. Là, elle est à 610 chevaux. Et encore, je vais prendre par le bas parce que... non, ça c'est... Voilà. La mienne fait plus de 1000 chevaux. Non, je l'ai déjà, mais en mieux, en optimisé. Donc, je vais revendre l'autre. L'autre, pardon. C'est bien, ça me fait un quart de million en thune. Je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas me plaindre. Hop là. Allez, zou, ça fait de la thune. Oui, donc j'ai gardé la bonne tuture. Et je devrais remporter une autre bagnole. Une fois que j'emporterai cette dernière course, qui est celle-ci. Ah, la Tokyo en plus, je l'aime bien. La route 246. Déjà 11h. Oh là 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 là, la fuite du temps qui me fait peur. Ah. Avec les autres, mais c'est difficile. Pas évident de faire une course propre là.
subtilement bien joué, je trouve, ce qu'on vient d'entendre. Elle est tribale, cette musique. Alors j'en ai entendu parler Pigeon Architecte, mais je m'y suis jamais frotté. Mais j'ai dû voir il y a... Je sais même pas si j'ai vu, tu sais, un extrait... mais tu sais, de quelqu'un qui joue sur Twitch. J'ai peut-être vu juste la bande-annonce. De la part des développeurs. Je crois que c'est ça. Mais je m'y suis pas frotté. Et je l'ai pas, hein, donc si tu te poses la question. J'ai pas fait acquisition du jeu là. Superbement bien passé le virage. J'ai passé comme si j'étais en volant pédalier là. C'était nickel pas ce qu'il fallait faire. Merci à toi d'être là, hein, ça fait plaisir. J'ai fait un trop tard. Là, je suis brouillon dans ce avant-dernier tour.
Magnifique, bien. Non, en plus, le dernier tour est le meilleur au chrono. Que demande le peuple? C'est la musique. J'ai cru que c'était de la pluie que j'entendais tomber dehors. Alors, je remporte. Ah, la version spéciale de Tommy Mäkinen. Oh, ça se respecte, ça. Je vais me précipiter dessus dans mon garage et je vais la gonfler à bloc. Faut savoir se faire plaisir là. Ouais, la version rallye. Et cette version rallye, elle monte à combien? Ça monte pas haut, on dépasse pas les 450 chevaux, elle va pas être super fougueuse, mais bon, allez, je me prends quand même des pneus durs avec. Je sais pas si je suis pas chaud, je pense pas faire des miracles avec. C'est triste, hein. C'est triste. Ah, puis il y a celle-là de Grand Tourisme. Il faudrait que je regarde par compétition à faire. Type R. Bon, l'Altesa, ça n'a pas été fameux. Ah, j'ai le championnat allemand aussi, des flèches d'argent. Mercedes-Benz. Pourquoi pas. Ouais, c'est les Allemandes. Mais de Mercedes-Benz. Alors, attendez. J'en ai une de Mercedes. C'était dans les premières. Du moins. Ah oui, voilà. Ah, j'en ai même deux. J'en ai même deux. J'ai celle-là qui est gonflée à 612. Pff, celle-là, à peine. Même pas 200. Je pense pas qu'elle monte. Je vais regarder, mais je doute vivement qu'elle monte optimisée à 600 et quelques. On va faire notre curieux quand même, mais oui, bon, c'est déjà pas une atmosphérique. Ah, je monte à 3 quand même, mais je monte pas à 600. Non, 320, c'est ridicule. Ridicule. On abandonne l'idée. Donc j'ai la 230. J'ai la CL600. Ta 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 ta. Voilà, celle-là je l'ai. Ouais, j'ai la 600. J'ai pas la 55 qui existe en version course. Alors ce serait un peu débile de prendre la version de série. Sachant que je peux gagner la version course.
Bonjour Elogir. Oui, non, c'est... Tu sais, c'est... Comment dire, ça donne l'impression que je perds la boule. Mais c'est l'idée de complet à vide. J'ai une pensée pour ceux qui me regarderont en rediffusion. Et au moins, je justifie mon raisonnement de mes choix dans le simulateur. À part ça, j'espère que tu vas bien, Elogir. Donc, autant l'avouer, j'ai potentiellement la meilleure... C'est le pilotage qui va faire toute la différence. Oui, ça va dans l'ensemble. Merci. Non, j'ai pas besoin de danger. Ça va pas tourner tant que ça. J'ai été un poil perturbé dans mon sommeil à cause d'un orage. J'étais surpris, on a eu de l'orage cette nuit en Lorraine. Enfin, tard dans la nuit ou très tôt le matin. Et ça m'a un peu cassé. J'ai joué un peu les prolongations, me font une heure et demie de sommeil en plus. Attends, c'est ça. Trial Mountain que je. Il y a deux virages que je ne maîtrise pas encore dans ce tracé. On va voir. L'important étant de participer. Ouais, j'ai eu de l'orage. Ouais. Il devait être 5-6 heures du mat quand ça a pété chez moi. Je pilote mal, hein, ça se voit. Sur le papier, je pourrais savoir que j'ai la meilleure motorisation là, mais je suis déjà dernier. Ah ouais? Ah merde! J'espère que t'as pas eu de dégâts si ça a pété des champs. T'as été censuré. J'ai vu que t'as été censuré. Non, pas de dégâts, mais super violent, impressionnant. D'accord. Il y a des mots qui sont pas passés. Attends, je finis ma course et puis je déverrouillerai ton message. Mais j'ai bien lu. T'en fais pas. Peut-être le mot violent qu'il a pas aimé, qu'il a voulu censurer. Attends, j'essaie de rester un peu concentré. America's in bubble, it's launched. 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 America's in bubble, it's launched.
classe, le sillon, la berline allemande. C'est beau, c'est classe. Turquoise, on peut dire. Hop, hop, hop. N'importe quoi, moi, là, ce que je suis en train de faire. Je m'en veux. Tu viens de regarder le journal. Oh, la foudre a détruit deux maisons. Putain, les boules. Oh, la vache. Mon pauvre, t'as dû être bien secoué si il y a deux baraques dans ta ville qui sont fait désagrégés, j'ai envie de dire, désintégrés par la foudre. Oh, les boules. Oula, 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 houhou! Merci à toi de prendre le temps de me rédiger un pavé. Alors, il a grondé très fort et s'est accompagné par endroits d'une impressionnante averse. Oui, il y a eu la rincée qu'elle est avec. Oh, je pilote mal. Oui, non, mais il est bien ton copier-coller. Bien joué, merci. Non, mais j'avoue que j'ai mal piloté. Il faudra que je la refasse parce que honnêtement, je suis capable de faire mieux. Et là j'ai fait 4 boules. Alors, je te lis avec plaisir. Il a grondé très fort et s'est accompagné par endroits d'une impressionnante averse. Un orage peu ordinaire a sévi sur Nantes dimanche après-midi, peu après 16h. Personne n'a été blessé, mais certains dégâts sont spectaculaires. Dans le quartier Haut Pavé, rue Casimir-Perrier, non loin du centre-ville, la foudre s'est abattue sur un mur en pierre, le faisant littéralement exploser. Ok, c'est pas du tout rassurant ce genre de phénomène. Trois voitures stationnées en contrebas ont été ensevelies par de gros blocs de pierre et de la terre. La foudre... Et voilà. Eh ben dis donc. Le mur a explosé. Foudroyé, ça... Oh là là, les boules. C'est la CLK 55 qui est devant. Mais ça me fait suer d'acheter le modèle de série, le gonfler à bloc, pour en récolter, gagner le modèle de course qui ne peut pas s'acheter. C'est... On va voir. Alors là, je me concentre vraiment dans ma course et je reviens sur le chat après, hein, sans offense. Ouais, tu as bien ressenti que c'était un phénomène plus violent qu'à l'accoutumée. C'est craignos, hein, c'est craignos. Moi, ma crainte, je vous l'avoue, c'est de mourir lors d'une canicule dans les années à venir. J'avais déjà fait un malaise important quand j'étais jeune adulte ado, là je sais plus, peut-être à 16 ans. Ça m'avait marqué, c'était une canicule dans les années fin 90-2000, je sais plus. Il y a eu un été torride en Lorraine. Et ça, c'est ma crainte. Combien de fois en été, les jours de canicule, j'ai l'impression de suffoquer comme un poisson qui a pas assez d'oxygène. C'est éprouvant pour l'organisme. Je suis là à essayer de pomper de l'air. Et il fait tellement chaud qu'il n'y en a plus, quoi. Ouais, non, mais franchement, j'ai les boules. Moi, je pense que je vais être défaillant dans les années à venir, mais assez vite. Je vais pas avoir à attendre 60 balais si j'ai déjà la chance de les atteindre. Je me vois mourir de ça. C'est horrible. Je me vois mourir d'asphyxie en pleine canicule.
C'est ma plus grosse phobie climatique, c'est le manque d'oxygène quand il fait 40 degrés. Moi je l'ai poussé dans le talus. C'est moche. J'essaie de piloter un peu plus proprement. Après, il faudra que je vérifie si j'exploite bien tout mon rapport de boîte de vitesse, donc la motricité du bolide. Parce que si je peux gratouiller un peu, ça peut être la différence qui fait justement toute la différence. Mais je crois que c'est les CLK 55 qui sont devant moi là. Vache! J'essaie de pousser les flèches d'argent devant là. Ah, pour le coup, elles portent bien leur nom, là. Flèches d'argent et leur couleur. Mercedes-Benz. Je fais de la merde, je vais la refaire. Là j'ai honte. Rien que pour ça j'ai honte. J'aurais pas dû faire ça. On se concentre. Je me garde l'ovale en dernier parce que c'est censé être plus facile et de plaisir. Vas-y voir que je valide tes messages. Autorisé, tac tac tac. Peut-être pour faire comprendre à Automode que voilà. Y a pas trop de censure qui s'applique quand même. Voilà, du coup, c'est dans, tu vois, dans mon affichage vidéo, tes messages déverrouillés arrivent pas dans le bon ordre. Pas grave. Interdit. Car c'est n'importe quoi. Oh, mais comment qu'il m'a empêché de passer? C'est n'importe quoi là. Ah, puis la chicane là, il faut pas que je me loupe.
comme boudin ce pilotage. Oui, c'est parce que je suis dans une semaine spéciale. En fait, habituellement, je ne diffuse pas en semaine. Là, j'ai un agenda très éclaté, en fait, cette semaine. J'aurais dû quasiment, entre guillemets, avoir repos complet cette semaine. Mais avec des calages, des covidés, de moi qui étais malade... et autre pépin, j'ai eu ces dernières semaines, j'ai pas pu honorer certains rendez-vous, j'ai le retard aussi dans les tâches que j'ai à faire, bref, c'est le bazar organisé. Et, là par exemple, je serai absent, je serai en rendez-vous l'après-midi, en début d'après-midi, vous me retrouverez en fin d'après-midi tout à l'heure. Je pense que je rediffuserai à partir de 17h. Mercredi, vous ne me verrez pas de l'après-midi théoriquement, parce que je me retrouvais avec une réunion de travail que j'aurais aimé avoir une autre semaine, mais bon, bref. Soupir. Mais ouais, c'est exceptionnel que je diffuse cette semaine. J'ai le droit à un peu de repos, j'en profite. Mais c'est dingue avec la satanée Covid, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à bosser à des moments où j'aurais dû spécialement plus me reposer et vice-versa, enfin bref. Un peu cette semaine parce que je vais être absent le week-end prochain, donc on va dire que ça va être un autre consolation, alors que je suis censé diffuser quasiment presque tous les week-ends, encore que je vous avouerai que je me réserve un week-end pour voir la par mois pour voir la famille. Bon, si je fais pas l'imbécile, j'ai course gagnée. Ça me fera plaisir, je te le cache pas mon cher Emilier, tu vas compris. Il faut pas que je merde cette dernière chicane. Que je loupe pas mon freinage maintenant. Voilà. Alléluia. Ah oui, jamais. Non, j'améliore pas mon temps. J'y ai cru. D'accord, ok, le micro est mal. Ouais, je suis peut-être loin du micro aussi. Alors attends, ça peut s'arranger, merci de ta remarque. Voilà, je vais mettre à 3%. Déjà un peu mieux pour m'entendre. Bon, je suis content. Je vais pas sauvegarder le ralenti pour autant, mais c'est une bonne chose de fait. Donc Chrome maintenant. On va clairement changer de tracé.
Ouais, il y a des marques. Il y a des marques anciennes. Oula, j'ai pas pris le bon repère freinage, moi. Oulala. Corrige ça au prochain tour. Je resterai dans l'électro, mais dans le sens large du genre électro. Ça ira de la dance ambiant jusqu'à la trance. Une scène avec le genre particulier qu'est la Dreams qu'on associait en fait au regretté Robert Miles, un disque jockey qui était d'une nationalité suisse je crois, très apprécié, très puis adorable, il paraît dans la vie qu'il était Robert Miles. Et la Dreams, je sais même pas si j'ai la catégorie référencée sur Dogmasic, là où je vais chercher justement le musique libre, à vérifier. J'essaierai d'y penser prochainement quand je retournerai mettre mon pif dans le site pour découvrir de nouveaux artistes. Je regarderai s'il y a la Dreams, je t'en parlerai spontanément je pense, c'est une scène si je n'oublie pas. Ouais, non mais des compos magnifiques. Et celui que je considère comme étant le fils spirituel de Robert Miles, c'est le jeune disque jockey anglais Mike Foyles. Foyle, vous l'écrivez F-O-Y-L-E. Et il fait, si vous voulez, il fait des remixes, des compos à base de piano, mais en musique techno électronique, quoi. J'adore ça. C'est un régal. Mais pourquoi je commets des fautes de pilotage aussi grossières? Ah merde, ça vient d'arriver en plus, j'avais même pas réagi. Bon, pour une première, c'est correct. Mais j'ai encore d'autres paires à prendre avec la berline allemande sur ce tracé. Mais c'est encourageant le fait que j'ai fini ce moment-là. On va la refaire en espérant que je la remporte. Ah oui, c'est une CLK55 qui m'a coiffé au couteau. Ouais, t'as coûté un peu de trance dans les années 2000. Ouais. Il y a des compos magnifiques en musique électronique. Pardon. La dernière en date, et encore c'est pas du tout jeune, le titre trans techno qui est magnifique dans la musique, dans le texte et même le clip, j'aime bien, c'est un parcours dans la neige, c'est Deathmau5, Remember le titre, c'est waouh, c'est superbe leur compo. D'ailleurs ce groupe, Deathmau5,
qui contribue vraiment à l'essor de la musique électronique. Ils vendent une partie de leurs extraits sonores, ce qu'on appelle les samples dans le jargon, avec l'anglicisme. Ils vendent leurs sons pour ceux qui veulent composer de la musique. C'est sympa, c'est rare les groupes qui proposent ça. Non, très bien. Alors attendez, j'ai essayé de me concentrer. Alors soit il pionce, soit il s'est complètement déconnecté de son ordi. Il fait quelque chose en famille ou en extérieur. Ça peut lui y arriver aussi. Et heureusement d'ailleurs, c'est un peu plus sain. Au niveau de son hygiène de vie, si nous devrions la critiquer. Sacré fun fan. Concernant Fun Fan, c'est à sa discrétion, mais je sais qu'il y a un paquet de mois, encore l'année dernière, il faisait une formation, je sais plus quoi, mais je peux pas. Ça se fait pas de parler pour lui. Pose-lui directement la question s'il dédaigne te répondre, mais. Ah là 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 là! Ah oui, sacré fan fan. Merdoum! Oh, le freinage catastrophique! Bah là, j'ai ruiné ma course. Streamer, c'est pas un métier, c'est sûr. Pas encore que. On va dire excepté peut-être le top 10 ou le top 20 à l'international de ceux qui font plus d'audience et de la thune sur la plateforme, mais il y a pas de français dans l'eau que je sache. Même joueur du grenier, d'ailleurs je vous le rappelle que je suis assez régulièrement parce que j'apprécie beaucoup. Déjà ils sont plusieurs, ils sont une entreprise. Twitch en fait, Fred disait que ses gains d'abonnement sur son canal Twitch, qu'il fait optionnellement certains soirs, hein, pas tous les soirs, les sous il se les réservait en dehors en plus de sa boîte. Il s'est gardé pour lui et je crois qu'en 5-6 ans ou plus d'années d'ailleurs, il avait récolté un peu plus de 10 000 euros, il avait expliqué, et ça lui permettait de s'offrir sa nouvelle voiture. Il s'est acheté une voiture grâce à ça. C'est bien, il est honnête, il est intègre, il dit ce qu'il gagne, il s'en cache pas quoi. «
Non, mais même, je pense, on a parlé hors antenne, FunFan et moi, de l'endurance à pouvoir diffuser. Et ce qui. FunFan était épaté par le fait que j'arrive à faire des directs aussi longs, en pleine, en totale journée, du matin au soir, sans être claqué. Et je lui dis, mais c'est une hygiène de vie. Tu vois, je me réveille quasiment à la même heure tous les matins, je me couche quasiment à la même heure chaque soir. Je vis pas de nuit, j'essaie de manger convenablement, etc. Et ça aide à avoir de la pêche, l'organisme tienne le rythme. J'espère que je vous apprends rien en vous disant ça. Mais. FunFan, il tiendrait pas dans la durée, il est pas endurant là-dessus, c'est ça qui est terrible. Il s'en cache pas, il se dit qu'il est claqué. Là, le dernier Duke Nukem qu'il a fait de 7 heures, qui correspond en fait finalement à une journée de boulot. Il était mort HS à la fin, hein, il s'en cachait pas. Hein. Et c'est pas encourageant pour lui. Enfin, c'est pas glorieux à ce niveau-là, quoi. Donc j'espère que notre cher FunFan va trouver la recette pour être on va dire plus coriace dans les mois à venir. Mais on peut pas, on n'est pas à sa place. Hein. Sacré FunFan. C'est là où j'ai pas mon père. C'est peut-être au panneau bleu qu'il faut que je freine. D'accord. Je vous lirai après, hein. Pardon, sans offense. Je voudrais vraiment la gagner là, parce que je suis par rapport à en avoir marre de la faire 10 fois de suite. Oh non, salopard. Pas mal. Faudrait que je prenne l'inspiration de l'autre d'ailleurs si je veux le rattraper. Voilà, c'est le deuxième panneau Michelin que hop je freine. Ouais, un peu tardif. Justement, je me suis peut-être fait entraîner par l'effet d'aspiration justement.
Je peux le faire, on y croit. Je plonge à l'intérieur, mais ça suffit pas. Hey, j'aime bien ce duel. Pas. Alors, je vais avoir plaisir à vous lire. Oh, Thunderdome. Alors, Thunderdome, j'en ai pas. C'est de la hard tech, comme on dit. C'est vraiment beaucoup de boum, 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 boum. C'est moins mélodieux. Thunderdome, j'en ai aucun. Encore que j'ai... Ah, je dis ça. Tu mets dans le doute, toi, une scène. J'ai peut-être un Panther Thunderdome désigné, mais une variante proche. Il faudra que je retrouve à l'occasion. Sympa la suggestion. Tac. Plus jeune, quand j'étais mécano, je faisais 60 heures par semaine. Oh, 9h du mat, 21h. Ah bah oui, non mais t'étais claqué mort. J'espère que ta paye était honnête et tu gagnais ta croûte. Hein. T'en as pas vu la couleur? Ouais. Non, bah, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est terrible, ça. Ça, c'est un problème. Le non-respect de paiement du taux horaire, ne serait-ce que du SMIC, c'est... Enfin, c'est pas moi qui vais vous apprendre qu'il y a juste qu'ils sont à plein de choses à corriger dans notre société. Soupir. Puis c'est terrible d'avoir cette idée-là en tête, travailler plus pour gagner moins. C'est désespérant. Ouais. Ouais, ouais. Tu te fais ronger la santé, c'est... Ouais, ouais. Non, non, c'est... Oh là là. C'est vrai, c'est une tristesse, mais... Mais le pire... Alors, en ce qui concerne la France, notre pays, rien d'autre, il y a des économistes qui auraient fait un calcul, une équation équilibrée valable, paraît-il. Alors je sais pas comment ils ont fait leur schmilblick par rapport aux citoyens français qui sont formés à la tâche, c'est-à-dire aptes à occuper le poste, etc. Mais sans déconner, il paraît qu'il y aurait moyen de faire fonctionner notre pays et de garder notre dynamisme économique en réalisant du 0% de chômage. Tout le monde occupe un poste, mais avec, une, je crois, 25 heures par semaine. Ça se tient. Il paraît que ça se tient sur le papier, économiquement parlant. Mais comment redistribuer les postes à tout à chacun en fonction de leurs aptitudes, de leur formation, c'est... Voilà, je peux pas vous développer cette théorie. J'en ai entendu parler il y a des mois de ça. Mais il paraît que c'est viable. C'est un scénario qui est crédible. Après, je suis pas spécialiste de ça, loin de là. Mais... Bon, je vais peut-être me concentrer dans ma course, moi, là. Oh.
vais la refaire. Je vais la refaire parce que j'ai fait de la merde dès le début et il faut que je sois régulier. Alors, ça fait pas tout de bien négocier son salaire à l'embauche. Il y a aussi les conditions de travail, la culture d'entreprise qui correspond à ton bien-être. Toi-même, d'ailleurs, t'en avais parlé, tu une scène en disant que t'as failli avoir un job, t'avais qu'à faire 100 mètres à pied en dehors de chez toi pour être au boulot. C'est le rêve, ça. Parce que tu n'as pas la contrainte des grèves et tout, tu peux te rendre rapidement sur ton travail et ça te libère un temps fou dans ta journée, quoi. C'est énorme. C'est dommage que tu n'aies pas pu décrocher ce poste d'ailleurs. Parce que là, tu aurais gagné en niveau de vie, même si le salaire ne suivait pas forcément. Mais... Non, pardon, je vous lirai après. La bonne trajectoire, il m'a sorti du virage et bouillonne. Je peux le faire. Il n'a pas dérapé comme je souhaitais, merde. Je suis en train de perdre toute mon avance. Parce que mes freinages et mes virages sont brouillons. Je sais que je peux le faire en plus. J'essaie de pas me faire déborder. Bien. Là, je l'ai bien passé le virage. Celui que je peine à maîtriser là. On y croit. Oh, il est midi. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Un peu trop freiné.
Oh la vache. J'ai pas une seconde d'écart. Hein. Ça craint du boudin. La pression est là. Voilà, j'aurais plaisir à vous lire dans le chat en vrac juste après. Allez. Oui, on y croit. Yes. Alors. Depuis que j'ai 20 ans, je dis qu'il y a trop de chômeurs et trop de gens qui ont trop d'heures. Il faudrait limiter à 30 heures max et voilà, l'emploi soulagerait les autres. Je pense comme toi, Elogir. Le problème, c'est qu'il faut réussir à placer les gens en fonction de leur aptitude, formation ou pas formation. Et après, il y a les soucis géographiques de pouvoir joindre le boulot, d'y aller, de se déplacer, la mobilité en fait. Ça soulève plein de problèmes. Hein. Puis pareil, la compatibilité de l'individu par rapport à la culture d'entreprise, le fait de réussir à bien s'entendre avec ses collègues et s'approprier son environnement de travail, c'est autant de variables qu'il faut ajuster pour que ça marche, quoi. Puis, alors, il y a ce qu'on appelle, on va dire, entre guillemets, des assistés, ce que dit Twitch and Switch. Il y a ceux qui ne font rien, qui vivent des allocations ou d'autres aides. Alors, c'est qu'ils arrivent à être débrouillards, à se justifier. Mais attention, dans ceux qu'on considère comme des assistés, il y a vraiment des accidentés de la vie, tels que je les appelle. C'est-à-dire, c'est des individus qui ont envie véritable de bosser, de se dire, le matin, je me lève et je cherche quelque chose, mais qui peuvent pas. Mais soit ils sont en situation de handicap, de maladie, il y a plein de profils. C'est terrible, ça. La société est riche de plein d'individus et d'histoires humaines auxquelles il faut vraiment se pencher, s'intéresser. Pour pouvoir les mettre, entre guillemets, dans les cases, vous avez une fonction en société et vous générez de la valeur ajoutée, comme on dit en économie. C'est waouh. Oui, il y en a qui ont trop bossé, il y en a d'autres qui ont quasiment jamais bossé. Ouais. Oui, il y a le problème du travail au noir aussi, c'est... Ouais, c'est... Vaste sujet. Allez, si je suis pas l'idiot, la course là m'est offerte. Et derrière, je devrais remporter un bolide. Un petit peu oublier dans les lignes droites de cet ovale. Je pense qu'on peut, il y a toute chaque histoire différente, on va dire que chacun a eu son vécu. Oui. Bah, dans les débats de société, moi ce qui me fait toujours un peu mal, c'est d'avoir l'expression utilisée qui est très péjorative de cassos. C'est-à-dire c'est un cas social. Ouais, mais derrière, il y a un humain. Il n'y a pas forcément un individu qui est malicieux dans le sens il essaye de justifier, d'obtenir des aides auxquelles, on va dire, moralement, c'est discutable. Alors qu'on pourrait apporter la preuve qu'il est apte à bosser. Il faut voir au cas par cas.
Mais je me souviendrai toujours d'un sacré petit filou il y a peut-être 20 ans de ça déjà. Quand les bases de données de l'URSSAF et de, je sais plus, de la caisse d'assurance familiale, je sais plus quoi, enfin deux organismes français qui avaient finalement eu autorisation par les politiques et les grands fonctionnaires de fusionner et d'échanger leurs données pour justement chasser les fraudeurs, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un mec qui s'était déclaré chômeur ou nécessiteux, on va dire, auprès de la caisse d'assurance familiale de tous les départements. Et en fait, le gars, il touchait, je sais plus, 20 000 francs ou 30 000 francs par mois à l'époque. Et quand il y a eu cette uniformisation, on va dire, des bases de données du régional vers le national, ils se sont rendu compte évidemment de la fraude. Il y avait plusieurs enregistrements du même mec avec surtout le même compte bancaire. Et c'est là que le gars a été démasqué, quoi. Donc à l'époque, sacré malandrin, le loustique, qui vivait comme un nabab, c'est-à-dire qu'il avait un salaire mirobolant, il foutait rien de ses journées, quoi. La grosse, grosse fraude. Mais ça, c'est un temps qui révolue. Et heureusement d'ailleurs, c'est là où on peut saluer le travail des fonctionnaires et l'amélioration de l'informatique au niveau de tout ce qui est bureaucratie française. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif et chiant de la paperasse, ce que j'appelle les mots croisés à une case, mais voir qu'il y a quand même vraiment du bénéfique. Ces dernières années, il y a eu pas mal d'économies faites avec ce qu'on appelle la chasse aux fraudeurs, quoi. Aux malhonnêtes. Il y a eu franchement du bon boulot d'abattu, hein. Il faut savoir le reconnaître. C'est loin d'être parfait, mais on en prend le chemin, donc c'est bien. Voilà, voilà. Vous savez tout de mon point de vue sur la question. Non, ils ont trouvé Fun Fan. Mais non, mais non. Ah là 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 là. Ça fait plaisir. Oui, bah mon cher Logir, si effectivement le... Voilà, tu désapprouves notre président par rapport à ton profil, à tes idées politiques. Oui, voilà, bon, bah, démocratie, hein, c'est ainsi. Mais attention, je veux pas glisser sur la politique davantage. Le sujet est tabou sur mon canal. Voilà, pour éviter les sujets polémiques. Donc j'accepte d'en parler un peu avec vous parce que je vous connais. Mais bon. Ah, voilà qui fait plaisir. Optimisons ce bijou de technologie là. La Deutsche Qualität. On va faire le championnat allemand avec ça. déjà, ouais, à la base, elle fait 443 chevaux. Mais, je pense qu'il y a moyen de la doper, la voiture de course. Alors, je vais vérifier les éléments techniques. Ce que je peux racheter en plus, en dehors de gonfler la motorisation d'atmosphérique, dis donc. Tiens, faut que je retienne le chiffre. En atmosphérique, elle monte quasiment à 800. Oh, est-ce que c'est une stricte atmosphérique ou est-ce que je peux la gonfler au niveau du turbo? C'est pas la même chose. Là, c'est une atmosphérique. Donc j'y retourne et on va monter à 800 chevaux. Regardez mon large sourire. Yeah! Ah, une atmosphérique de 800 chevaux, je vais faire tomber des coupes. Là, ça va me donner un accès à des compètes pour les gagner théoriquement les doigts dans le nez.
Ouh, ça sent bon, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Lançons-nous tout de suite. Je ne peux attendre davantage. Ah bah, coupe pas le manque de voitures de tourisme. Elle m'est offerte là, je crois. Là, c'est pou pou pou. Si toi aussi tu aimes les basses. Oh, j'ai une sœur jumelle. Ah bah c'est bien, deux Tchak. Deux Calibra, deux Astra et deux CLK. Lançons-nous. Alors je pense pas que ma jumelle soit 800 chevaux. Je pense qu'elle est aux 400 chevaux de base. Je pense, hein. J'ai jamais fait gaffe si dans Gran Turismo il y avait des optimisations pour les intelligences artificielles. Je pense qu'ils se contentent du modèle de série, enfin de base. Parce que de série c'est un habit de langage. Ah, le DTM. Le championnat de Gran Turismo allemand, c'est un régal. Un régal. J'adore ce championnat. À regarder et à piloter virtuellement parlant. Les bolides allemands sont excellents. Faute de ma part. Oh là 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 là. Malheur à moi. Malheur à moi. Alors, il est midi passé. Moi, je sais pas quand je rentre antenne. Mais il faut pas que je me loupe. Parce que j'ai quand même un rendez-vous en ville tout à l'heure. Il faudrait que je déjeune et que je me fasse un brin de toilette. Que je prépare de la paperasse. Je me demande si je vais pas faire ce championnat et rendre l'antenne derrière. Alors, j'aurais aimé faire relais de chaîne à Aerostar, mais il prend l'antenne trop tard pour moi. Il prendra son antenne à 13h45. Il a débuté Mass Effect. Si vous connaissez pas Mass Effect, que vous aimez tout ce qui est futuriste et science-fiction dans l'espace, allez vous vautrer chez Aerostar tout à l'heure pour du Mass Effect. Il est au début de l'histoire, hein, vous pouvez raccrocher les wagons. Ça va encore. J'ai eu la chance de faire cette trilogie. C'est un des plus beaux jeux que j'ai jamais fait. Bon, je fais de la mouise. Je suis pas fier de moi là. Concentration. Je déconne pas, hein. Mass Effect, c'est littéraire, c'est très bien écrit, c'est magnifique. Je maîtrise pas mon bolide qui est merveilleux, j'ai honte. J'ai honte. Faudrait-il que je procède à des réglages dans le garage? Je crois qu'il y a la trilogie remaster dans le Game Pass. Alors, la remaster, je sais pas ce qu'elle vaut. Pareil, il y a une suite qui s'appelle Andromeda. Il paraît que c'est pas folichon. Moi, je m'en tiens à la trilogie originale. C'est génial, c'est génial. Franchement, c'est une saga intergalactique, c'est génial. Les personnages, ils sont tous attachants. Même les personnages tertiaires, j'ai envie de dire, c'est vous dire la profondeur de l'œuvre. Des persos que vous trouvez que lors d'une quête, c'est sans ça. Je ne peux être que dithyrambique par rapport à la critique pour Mass Effect, c'est un chef-d'œuvre vidéoludique. J'adore. J'ai adoré y jouer, j'ai adoré le voir les autres y jouer, c'est un régal. Pourquoi je pilote si mal sur un championnat que j'adore avec un bolide qui est magnifique en plus? J'ai honte. Oula, comment j'ai éjecté contre la roche moi? Quelle horreur. Mais pourquoi je suis aussi mauvais là? Je m'en veux. Bon, j'ai toutes les cartes en main pour bien piloter.
Oh, qu'est-ce que je pourrais bricoler sur ma tuture au niveau réglage mécanique, moi? Parce que là, elle est bien, elle est équilibrée. C'est moi qui la maîtrise pas, en fait. C'est ça qui est terrible. Je maîtrise pas les 800 chevaux de la bête. Alors, j'ai pas vérifié si ma boîte de vitesse était bien réglée pour ce tracé. Est-ce que j'exploite bien tout le régime moteur? Pas sûr. J'ai une accélération d'enfer, comme vous pouvez le voir. J'ai vite fait de déraper de manière incontrôlée. Je vais me désengager pour me réengager là parce que j'ai fait de la mouise. Sans déconner, j'ai fait de la mouise. Normalement, je pilote mieux que ça. Je peux faire quelque chose de bien normalement. Alors, en quittant le championnat, le problème, c'est que je vais refaire un jeu de dés et je risque d'avoir un lot différent de tutures sur la grille de départ. C'est dommage, c'était équilibré. Il y avait des paires, c'était comme en Formule 1. On aurait dit des écuries de chaque, ça faisait classe. On va voir. Alors, le remaster, c'est l'original 60 FPS, c'est 4K. Oui, d'accord, oui. Oui, ça doit être bon en 4K. Putain, ça doit être magnifique sur l'écran compatible. Voyez, là maintenant, il n'y a plus qu'une Astra et il y a deux. J'ai deux jumelles là. C'est dommage. On va voir, tant pis. C'est dommage. Je suis en train de penser miam, mais j'ai pas réfléchi à ce que j'allais manger moi ce midi. En denrées périssables, j'ai une pizzouille à me faire, mais la pizzouille, je me la réserve pour ce soir. Du coup, je suis plus du tout concentré. Mince. Oh non, mais non. Mais j'ai pas le droit de faire ça. Aspiration surtout. Ça me sauve un peu de ma bourde. Évidemment j'arrive trop vite. Et je perds tout mon gars. Non, ça va. J'ai pas envie de manger des pâtes, surtout que c'est long à préparer, faut faire chauffer l'eau. Dommage. Pourquoi suis-je si mauvais? Oh là 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 là, je fais de la merde, j'arrête, je fais de la merde. Je suis pas dans le coup. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Je garde la tuture mais je m'engage ailleurs. Ou j'essaie de bidouiller dans le garage. Non, elle est bien équilibrée, hein. C'est moi qui la maîtrise pas, hein. Faut que j'admette que je suis de la... C'est pas une MR, ma... Tiens, c'est vrai que j'ai pas fait une motorisation centrale, là. Non, c'est pas une centrale, la mienne. C'est vrai que c'est pas trop difficile à gagner, ça, normalement, comme course. Qu'est-ce que j'ai pas... Ah, bah oui, c'est une atmosphérique, ma tuture. Je vais me gêner, tiens, voilà. Là, je pense que j'aurai un gain, j'espère, de manière plus aisée. Et ça me permettra de me mettre en tête la physique de la tuture. Je me l'approprie. Et là, évidemment, la sélection de voiture est à l'international. Donc, il aurait été très surprenant que je me retrouve avec une sœur jumelle. J'aime bien la plaque d'immatriculation sponsorisée Karcher. On va nettoyer le circuit. Avec l'eau pressurisée.
Oh là là, le contre-braquage foireux de ma part. Ah, Motus Elise qui est venu me claquer la bise. La belle petite anglaise que j'aime bien colorer en rose, que j'appelle mon bonbon rose. Ça m'amuse. Je l'avais fait dans le simulateur GTR 2, je crois. Elle se pilote agréablement, la Lotus Elise. Enfin, moi, j'aime bien. Ça correspond à mon profil de pilote. Une vraie petite bombe, hein, cette voiture. Elle est bien équilibrée, proche du sol, légère en plus. Et j'ai eu le plaisir d'en voir une vraie, d'ailleurs, en compète. Dans une exhibition course au l'Anneau du Rhin. C'était un cadeau que m'avait fait ma frangine, qui me sait fanat de course automobile. Et c'était un jour merveilleux pour moi. C'est la première fois que je voyais d'ailleurs une course Grand Tourisme en vrai. Que d'émotion. Alors, je fais un pilotage désastreux, mais comme j'ai le meilleur bolide, je suis honteusement en tête. Mais je suis pas fier de ce que je fais, hein, je vous le dis. Bon, je ne suis toujours pas répondu à ma question, qu'est-ce que je me mange ce midi? J'essaye d'y réfléchir en même temps, en faisant l'effort de mémoire de qu'est-ce que j'ai dans le frigo. Oh, je crois que je peux faire de la paella. Il faut que je gère les denrées périssables quand même. Me faire des salades comme j'aime, mais les salades je me les garde plutôt pour le soir pour manger léger. Je suis quand même pas me faire la pizza à midi. Je me fais une salade ce soir. Bien géré à l'époque déjà. Mass Effect édition légendaire, cette version entièrement remasterisée et optimisée 4K Ultra HD inclut tout le contenu solo de base, plus les 40 DLC. Ah oui, alors moi j'ai pas fait tous les DLC, pas de bol. J'ai bon espoir, j'ai pas écouté Aerostar dans le détail. Je sais pas s'il a cette édition là. Si c'est le cas, tant mieux. Parce que du coup, je vais même découvrir du contenu qui m'est inédit en fait. Surtout sur la fin, le troisième opus de la trilogie. Mon grand regret. Ce qui ferait que je serais peut-être amené dans le futur, un futur lointain, hein, parce que c'est encore trop frais dans mon esprit, à vous refaire la trilogie Mass Effect, peut-être quand j'aurai 50 berges, allez savoir, dans 10 ans. Oula. Mince, je viens de me laisser distraire par mon téléphone, parce que je regardais, mais qui c'est qui m'envoie SMS à cette sortie? C'est bien d'avoir un bolide de compète face aux voitures de série quasiment. Je me promène outrageusement. Donc les armes, les armures et des packs promotionnels. Oui, donc ça ajoute du contenu. Ah ouais, non, c'est bien. Peut-être qu'un jour je me rachèterai le jeu en version légendaire, l'édition légendaire pas cher quoi, pour 3 francs 6 sous. Allez hop, je vais télécharger ça depuis le temps qu'on m'en parle, ce fameux Mass Effect, je vais le tenter. Je pense qu'il devrait te plaire. Le souci, alors attention, info et le gear. Le souci de Mass Effect, c'est que c'est littéraire. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'engages dans le jeu, arrange-toi pour pas avoir une cassure dans ton calendrier de jeu. Parce que si tu oublies des éléments de narration au bout, on va dire, de 3 mois de pause parce que tu pouvais pas jouer, c'est dommageable. Je te le dis tout de suite, c'est dommageable. Mais... Oui, c'est ça, oui, tu as raison, Léo Gear. Un contenu additionnel peut être juste un élément bonus, cadeau,
une super arme ou une super tenue ou un perso qui raconte des âneries qui fait pas forcément partie du fil rouge. Mais ouais, oui, il y a de ça dans les 40 contenus additionnels. Mais il y a des missions. On va dire qu'il y a 5-6 contenus additionnels. C'est des missions, grosses missions longues. Et celles que j'ai pu faire, j'ai surkiffé, j'ai adoré. Non, franchement, j'en dis rien. Mais en décor, en personnages secondaires supplémentaires, hein, tout nouveau. C'est un bijou. Ce jeu est un bijou. Et j'adore la science-fiction. Futuriste, justement. Je fuis en général tout ce qui est média magique, ce qui est majoritaire dans le monde vidéoludique. Hein. J'ai pas de bol, je suis dans la minorité. Mais non, franchement, Mass Effect. Je ne peux être que dithyrambique sur cette œuvre. Une deep forest! Allez, on va s'enfoncer dans les bois. Et sortir de là la coupe en or. Heureux victorieux de la course. Et je finis par me convaincre que je vais croquer de la pizza à midi. Ouais. Faudrait que je mange quelques végétaux à côté. Que ce soit un peu équilibré. Je vais peut-être me faire des radis. Sans beurre, sans sel, nature. C'est sain. En plus, il y a le côté naturel. Piquant des radis, c'est pas désagréable pour une mise en bouche. Ça va m'exciter les papilles. Oh mon dieu, c'est le tracé à l'envers. Alors déjà l'endroit il est pas évident, mais alors à l'envers il est encore plus pigeux celui-là. Alors, c'est pas retenu dans la physique du simulateur Gran Turismo ici, mais dans la réalité, le fait que le tracé prenne place dans un milieu naturel et surtout dans des bois est un paramètre à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les arbres, la végétation retiennent l'humidité. Donc il y aurait déjà une probabilité au petit matin qu'il y ait davantage de brouillard et que en fait, la piste soit glissante, qu'il y ait de la rosée fraîche du matin déposé sur le tracé. Et je fais nimp de chez nimp. On va dire que cette course va être un entraînement. Sans parler qu'il y aurait le souci évidemment du dépôt potentiel de feuilles mortes ou de pollen même sur la piste. Je pense pas que j'exploite tout mon régime moteur là. Sans déconner, je pense que j'aurais pu rendre ma boîte de vitesse un peu plus courte et miser plus sur l'accélération en espérant qu'elle patine pas. C'est le risque. Mais franchement, elle est bien équilibrée là. Très agréable à piloter cette berline allemande d'optimiser course. Je pense que je vais la piloter régulièrement à l'avenir. Oh là là! Mais pourquoi je me percute? J'aurais pu déboîter et être en trajectoire. Merde, j'ai mal plongé là. Et je recommence la même année. Là, je suis pas parti en tête à queue, mais j'étais parti pour. Les gens, ils étaient partis. Je dis n'importe quoi. Voilà, fâche, comment qu'elle dérape la bête. merci Game Pass. Ah, c'est bien. Thank you.
l'aime pas, hein, cette chicane. Je pars en dérapage, c'est chiant. Bon bah j'ai du bol de la gagner, parce que franchement ma course a été pas propre. Tenez-vous au premier tour, mon tête à queue à la mentale. Ouais ouais ouais. Tu devrais pas bouder ton plaisir, Elogir. À mon avis, on en reparlera dans le futur. J'étais surpris par la dénomination de mon bolide. De voir entre parenthèses 02 AMG Mercedes. Lui c'est la version 2002. Ok. Wally Wallum. Je gagne un bolide là, non? Je sais plus. C'est, oui, c'était la dernière coupe en or qui me manquait de la série. La voiture est... Suspense! Voiture de série, je pense. Oui. Une japonaise, une Mazda... Une MX... 6, 8, non? Attends, c'est... Elle... Ouh, à l'époque, elle venait de sortir. Elle est expérimentale, la tuture, non? Vérifions ça. La RX-8. Je crois que je peux pas l'acheter, hein. Je peux que la gagner. D'accord. La RX-8. Je sais pas si... Je vais pas la y toucher maintenant. Alors, est-ce que je me fais encore 2-3 petites courses et puis je rends l'antenne à 13h, histoire de pas me mettre dans le mal au niveau horaire? Évidemment, je vais pas me lancer dans un grand championnat, ce serait débile. Ouais, mais je vais pas aller au bout. Je vais pas aller au bout. Je reprendrai à ma prochaine rediffusion de Gran Turismo 3, je pense. Je vais scinder. Je pense. On va voir comment ça s'est. Ouais, quand même 5 tours. 7 courses. Ça va faire plus de 3 quarts d'heure là. Ça va. Voilà, c'est bien, c'est équilibré, c'est les versions course. Avec gestion des pneus. Ah, sympa. Ça me plaît bien. Oh la vache, elle me gratte à l'accélération au départ, elle est salopard. Serais-je en difficulté avec ma berline allemande? Non, sérieux? Vous allez voir que je vais me désengager parce que je me saurais désavantagé. Bon, mes gommes sont froides, mais... Qu'est-ce qu'elle glisse? Elle a le dérapage facile. J'ai un problème de sous-virage, en fait. C'est l'avant qui chasse. Merde. Pardon. Correct, les rapports de boîte de vitesse. Bon, je suis pas à fond dans la motorisation de ligne droite, mais bon, je suis quand même en 6e rapport. Bon, il y a de quoi peaufiner, mais c'est correct. Ça me laisse de la marge si je pouvais bénéficier de respiration. Merde! Je perds le contrôle de la bête.
tête à queue. Double tête à queue. Oh la vache. Ou alors, est-ce que je serais plus à l'aise avec le modèle japonais? J'ai récemment acquis la... Je sais même plus. Enfin, un bolide japonais optimisé course. La Penzol, sponsorisée là. De l'écurie. Alors là, je commence à avoir les gommes à bonne température, pour un max d'adhérence, mais... Est-ce que je les rattrape? Déjà mon pilotage est discutable, je patine, je dérape, c'est pas propre. Merdoum. Non, non, je pilote mal. Je pilote mal. Là, j'ai honte. Mais apparemment, je sens quand même les rattraper. On va voir. Je vais honnêtement aller jusqu'au bout, mais... J'ai le potentiel, mais je ne le maîtrise pas. Ah, mais puis c'est vrai qu'il y en a tout dans le stand, du coup. Pour moi, c'est tout bénef. Mais... J'aurais pas besoin d'y aller avec la gamme dure. À voir. C'est un poil mieux là. Mais j'hébergerai Aero tout à l'heure quand il fera du Mass Effect. Je vais essayer avec le bolide japonais. Le même championnat mais avec le bolide japonais. Il faudra que je peaufine les réglages de la berline allemande. Elle est bien mais je la maîtrise pas. Et je me fais avoir par ses puissances. Voilà, la Nismo, voyez, 930 chevaux en plus, elle est encore plus puissante. Je vais vérifier son niveau d'huile et non merde, faut pas que je me désengage la carrière. Et je m'engage dans le même championnat pour voir. Non, c'est bien de l'huile est neuve. Amateur et c'est le tout dernier au bout. Le championnat des voitures de rêve. Alors du coup, il va y avoir un autre jeu de dés, c'est-à-dire que je vais avoir un autre tirage de tuture sur la grille de départ. C'est parti du plaisir du jeu. Oh là, il m'a harponné. Oh là là, comment qu'il m'a accroché. Je crois que c'est pas mieux. C'est peut-être même pire en fait. Je maîtrise pas les grosses bêtes là.
je suis désabusé. Il y a une série de courses aussi qu'il faudra que je fasse bientôt sur la PS3, mais qui est arcade, mais qui est très beau. C'est Ridge Racer. Je ne sais plus quel opus, qui est très beau. Qui est très particulier à piloter, c'est vraiment de l'arcade délirante, on va dire, dans la physique. Très orienté dérapage loufoque. Presque à la Mario Kart. Enfin, j'ai ça, j'ai pas. J'ai joué qu'une fois à Mario Kart, il y a longtemps. Mais l'idée est là, quoi. Mais rien que pour les paysages, c'est beau. Leurs circuits imaginaires, ils ont tout composé pour que ça en ait plein la vue. Ça, c'est dingue que j'ai les gommes encore froides après un tel tour. C'est vraiment dans les derniers tours que je vais être à mon aise avec une gomme bien chauffée, bien adhérente, et que je vais péter les chronos. Il n'y a plus qu'à espérer que je commette pas une grosse erreur de pilotage. Comme je l'ai commise tout à l'heure avec la berline allemande, à mon grand tort. Merde. Oh. Je fais de la mouille. Correct là, mon passage des chicanes. Ça va mieux. Oh.
fini de me rentrer dans le lard là. Non, troisième, dommage. Mitsubishi FTO, d'accord, qui m'a battu. Ok. Il y a une Impreza, une Arteza, une Astonine. Ouais, bien. Bah, là, du coup, on est même en championnat japonais, là. Il y a que des modèles nippons. On va voir ce que va donner la deuxième course. Oh! Merci pour les GG. Non, franchement, je suis moyen. Je pourrais faire mieux. Non, je vais pas immortaliser le ralenti. C'était pas si palpitant que ça. Je pense que ça va être ma dernière course et puis je vais couper le signal. Je pense que je vais être vilain dans le sens que je vais même pas héberger quelqu'un, faire relais de chaîne. Et j'hébergerai donc un peu avant 14h et roster pour ceux qui vont voir discrètement depuis ma page. Et du Mass Effect, hein, je répète. Et moi je vous retrouverai après l'heure du goûter. Je reviendrai après 16h30. Pour encore du vroom vroom normalement. Ouais, pizza ananas. Ouais. C'est la moyenne là, la pizza jambon ananas. Un délicieux sucré salé. Je sais que cette recette est clivante. On aime ou on n'aime pas. Il y a les deux camps. Ah, j'aime bien moi la moyenne. On rajoute un petit peu de cannelle par-dessus, parfois sur les ananas. C'est délicieux! Que je suis brouillon et je m'en agace intérieurement. Que je suis brouillon. S'il te plaît, et vite. Surtout que je rentre l'antenne. Donc là, tu vois, ce serait pas pertinent. Je rentre l'antenne. Donc, tu dépenserais tes points maintenant que je te proposerai les patrons la prochaine fois que tu te manifesteras. Alors, je fais la course là et je ferme le signal. Je rentre l'antenne. Mais c'est vrai que tu m'avais bien eu avec les patounes récemment là dans Hérétique. Ça m'a fait galérer de ouf. C'était rigolo.
freinage tardif. Je me suis fait peur. Apparemment, il a supprimé son compte Twitch. C'est là où je ne comprenais plus SDR. Il supportait plus en fait FunFan sur ma propre antenne. J'ai essayé d'arrondir les angles, mais et SDR se mettait en rogne très rapidement pour pas grand chose. Bon, voilà. Il a tout claqué la porte, je pense qu'on le verra plus. Moi j'aimais bien SDR, hein, c'est dommage. Mais autant dire familièrement qu'il pouvait plus blairer FunFan à l'usure. C'est dommage. Mais il venait de moins en moins déjà sur le canal de FunFan, alors qu'il appréciait bien. Je sais pas, il a pas apprécié que FunFan devienne mon modérateur sur mon antenne, je pense, hein, c'est ce que j'en ai déduit. Mais bon, bref. Ce qui est fait est fait. Je suis vraiment attristé, hein, je te le cache pas, de perdre un membre actif comme SDR. Il mettait de la bonne humeur, c'était bien, c'est une manifestation dans le chat. Mais voilà, il faut qu'on s'entende en osmose, en communauté. Moi, quelque part, ça me soulage d'un poids parce que je finissais par avoir de la mauvaise appréhension en début de chaque direct en me disant ça y est. Pourvu que je n'ai pas à jouer les diplomates entre SDR et FunFan. C'est fini. Je sais pas honnêtement. Je sais pas si il va prendre un autre pseudo. Je sais pas. Oh, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ah, j'ai perdu mon avance. J'arrive pas à la stabiliser, la bestiole. J'ai du bol de pouvoir finir second, disons. S'il était mon guide sur Final Fantasy, bah je continuerai en solo. Tant pis. Non, mon sentiment, c'est que SDR s'est lassé à l'usure de FunFan. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait dans l'historique des événements. Tant pis, hein, dommage. Alors du coup, je sais plus où j'en suis dans le championnat, parce que là, il est pas mal lancé, là. Sur les 7 courses, je viens de boucler la deuxième. Et j'arrive à rester sur le podium. Très disputé. D'accord.
Oui, c'est dommage, ouais. Gaminerie, oui. Oh. De toute façon, voilà, il faut tout pour faire un monde. J'accepte tout à chacun tel qu'ils sont. C'est juste que je recadre quand il y a des choses qui se font pas. Et voilà, quoi. Oui, c'est ça qui est contradictoire, Elogir. C'est contradictoire. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Allez, je sauvegarde la partie. Moi, je vous remercie tout plein d'avoir été là. J'ai adoré vous faire la causette. Merci à vous d'avoir animé ma matinée loisir. Donc, me concernant, je vous retrouve à partir de l'heure du goûter. Au plus tôt 16h30, mais à mon avis à 16h30 je serai pas rentré de mes déambulations en ville. Donc j'irai plus entre 17h et 18h pour théoriquement du vroom vroom qui me tient très à cœur. Ceux qui ont fouiné sur mon Discord comprendront de quoi je parle. Voilà, je vous laisse un peu la surprise. Prenez soin de vous. Bon app, là je pense que vous êtes à table. Là, je mets l'aperçu, ça me fait bizarre de pas avoir de retour. Une citation au pif. voilà. Un relais de chaîne ou pas? Ouais, non, je vais être vilain, je vais couper direct. Et j'hébergerai dans 3 quarts d'heure Aeroster qui fera du Mass Effect. Donc, allez, prenez soin de vous, bisous tout plein. Et peut-être à cet après-midi si vous revenez. Mais prenez soin de vous, voilà, bonne journée. Bisous.